George Lucas a su inventer une saga qui fait aujourd'hui encore office de bible chez certains adorateurs. Il s'agit bien entendu de Star Wars. Mais on lui doit aussi une autre trilogie à succès, Indiana Jones, qu'il a produit avec son ami Steven Spielberg. Même si Indiana Jones est souvent resté dans l'ombre du titan Star Wars, l'attachement des fans et sa notoriété ont poussé Harrison Ford à remettre son chapeau pour se glisser à nouveau dans la peau de l'archéologue le plus cool de la planète. La sortie de Lego Indiana Jones coïncide à quelques jours près avec la sortie au cinéma du prochain épisode du Dr. Jones, qui part cette fois-ci à la conquête du royaume du crâne de cristal. La série de jeux Lego plus licence à succès a commencé avec Lego Star Wars, la trilogie retraçant les épisodes du 1er au 3e. Si au départ l'idée avait de quoi surprendre, il faut bien avouer qu'une fois le pad en main, on a affaire à l'un des jeux les plus fidèles de la licence. Le jeu a remporté un succès énorme qui n'était pas vraiment attendu, en parvenant à rallier les joueurs et la critique. C'est pour cela que la seconde trilogie, qui est en fait la première, a eu aussi droit à son édition Lego. Dans Lego Star Wars, on revit les aventures des Skywalker dans un environnement tout en briques de plastique où tout est quasi destructible. LucasArts se remet le couvert en adaptant son autre trilogie phare, Indiana Jones. Le jeu reprend donc le concept de Lego Star Wars en l'adaptant à la trilogie de Spielberg et Lucas. Lego Star Wars était bien entendu centré sur la Force. Alors avec quoi peut-on remplacer la Force? Les persos de Lego Indiana Jones ont tous des caractéristiques qui leur sont propres. Par exemple, toutes les filles sautent plus haut que les garçons. Mais ce que propose cet épisode par rapport à ses prédécesseurs, c'est le côté énigme et puzzle qui laisse la part belle à la réflexion. Le jeu propose de revivre les aventures du Dr. Jones, non pas à la suite, mais à la guise du joueur. En effet, une fois dans le Barnett College, le joueur aura juste à se diriger vers une carte représentant les aventuriers de l'Arche perdue, le Temple maudit et la dernière croisade. Et non, malheureusement, aucun royaume du crâne de cristal ici. Chacune de ces histoires se décompose en plusieurs chapitres qui, une fois passés, sont jouables dans l'ordre préféré du joueur. Il est d'ailleurs conseillé de réexplorer les niveaux passés en mode libre, car au fil de l'aventure de l'archéologue, il sera accompagné de différents protagonistes. Et chaque personnage pallie à sa façon la force qui existait dans Lego Star Wars. Et ce, grâce à une capacité qui lui est propre. Les petites personnes peuvent se faufiler dans des ouvertures, d'autres peuvent lire des messages secrets, etc. Donc, revenir dans un monde déjà visité où il y avait besoin d'une capacité particulière peut permettre de récupérer certains trésors secrets. En plus de leur capacité, les personnages peuvent avoir des phobies. Et ce n'est plus un secret pour personne, Henry Jones Jr. a la phobie des serpents. S'il rencontre un serpent, il est alors irrémédiablement paralysé par la peur et il faut de suite changer de partenaire pour que celui-ci trouve un moyen d'éloigner l'objet de sa peur. Les phases d'aventure se déroulent toujours à deux personnages simultanément ou plus. Et on peut passer à tout moment d'un personnage à l'autre et par la même occasion profiter de ses capacités. Mais le plus souvent, le joueur doit alterner plusieurs personnages afin d'obtenir la résolution d'une énigme. Car si les partenaires suivent le leader comme son ombre, lors des résolutions de problèmes à plusieurs, ils garderont leur position bien sagement. Au cours de l'aventure et à plusieurs reprises, des véhicules seront disponibles. Un seul personnage pourra par contre rentrer dedans pour le piloter. Les moyens de transport peuvent aller du chameau du désert au camion militaire. Ce sont ces véhicules lourds qui peuvent être utilisés pour détruire les objets en métal. Ces objets en métal recèlent souvent des bonus ou des éléments importants pour la suite. Les protagonistes sont parfois obligés de se déguiser pour passer des gardes barrières. Il est alors nécessaire de trouver le bon uniforme pour infiltrer une base ennemie. Comme on se trouve dans un jeu de briques de construction, il sera possible de construire des embarcations, des portes ou de résoudre des énigmes en construisant des objets. On trouve souvent des briques qui bougent. Le joueur pourra monter un objet s'il trouve toutes les pièces de la construction. Mais il est aussi possible de tout casser. En cassant des blocs, le joueur obtient des pièces qui font bien entendu le score, mais qui servent aussi de monnaie d'échange. Il sera en effet possible d'acheter dans le Barnett College de nouvelles figurines ou de nouveaux films. Et il y a aussi un autre mystère à découvrir dans l'enceinte de l'établissement. Au joueur de trouver. Lego Indiana Jones retrouve la fidélité et le fun qui sont les points forts de Lego Star Wars. Il est vrai que si l'on est fan de l'univers ou des briques en plastique, ce jeu est indispensable.
Il est regrettable pourtant qu'à l'aube de la quatrième aventure du Dr. Jones, le royaume du crâne de cristal n'apparaisse pas dans le jeu. Et pourtant, le jeu profite du buzz engendré par le retour de l'archéologue Fouettard. Mis à part cette petite déception, le jeu ne triche pas sur la marchandise et surpasse nos attentes. La force ne manque pas puisque sans vouloir reprendre la folle histoire de l'espace, elle est remplacée par l'astuce. Le mode coopératif permet à tout moment à un joueur supplémentaire de prendre part à l'aventure, car la coopération et le remue-ménage sont ici de mise. Il est également vivement conseillé de revoir les films ou de les connaître par cœur, car la fidélité est telle qu'il s'agit d'un quasi copier-coller avec des bonhommes en plastique et un univers destructible en plus. Sous ces aspects de jeu familial, LEGO Indiana Jones arrive autant à plaire aux gamers de base et aux complete maniacs, qui s'amuseront à traquer tous les fétiches et autres idoles.